Ο Κορέα έχει σπουδάσει οικονομικά στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και γνωρίζει πολύ καλά πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αν έχεις την πολιτική βούληση. C'était en 2005, quand il était ministre des Finances, Rafael Correa a dit ce n'est pas normal que le supplément de revenus pétroliers qui arrive dans les caisses du pays reparte entièrement au remboursement de la dette. C'est injuste pour la population. Et il a dit 80% des revenus pétroliers doivent être destinés à améliorer les dépenses sociales dans l'éducation, dans la santé, dans la création d'emplois. Et seul 20% doit aller dans le remboursement de la dette. La Banque mondiale a dit il n'est pas question que nous continuions à prêter de l'argent à l'Équateur si l'Équateur maintient une telle loi. Donc c'était clairement une immixtion de la Banque mondiale dans les affaires intérieures de l'Équateur. Et ce ministre, Rafael Correa, a dit il n'est pas question que j'accepte, moi comme ministre, cette imposition de la Banque mondiale. Et donc il a préféré démissionner plutôt que de plier devant la Banque mondiale. Ça l'a rendu extrêmement populaire. Les gens ont dit, ah voilà quelqu'un qui préfère démissionner et perdre son poste de ministre, mais pour défendre la dignité et l'intérêt de la population. Ο Κορέα τελικά εξελέγει πρόεδρος το 2006. Μία από τις πρώτες αποφάσεις του ήταν να απελάσει τον εκπρόσωπο της Παγκόσμιας Τράπεζας και να ζητήσει από τους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να φύγουν από το κτίριο της Κεντρικής Τράπεζας. Στελέχη του Ταμείου, όπως ο Μπομπ Τρά, που αργότερα θα έρθει στην Ελλάδα, είχαν ήδη χαρακτηριστεί ανεπιθύμητοι από τους πολίτες του Ισημερινού. Τα βουροκράσια internacional majadera, incompetente y deshonesta tendrá que respetar a nuestro país. Así que por eso hemos expulsado al representante del Banco Mundial en el país y nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes por los daños y perjuicios causados al país. Además, nos reservamos el derecho de calificar como ilegal las deudas que tenemos con el Banco Mundial. 6 meses μετά, ο Κορέα προχώρησε ένα βήμα παρακάτω. Ικανοποίησε το αίτημα των κοινωνικών οργανώσεων για επιτροπή λογιστικού ελέγχου. Moi, j'ai été une des personnes désignées par le président Correa pour faire partie de cette commission. Il y avait 18 membres de la commission et il y avait aussi 4 organes de l'État qui étaient représentés dans cette commission. Et nous étions chargés d'auditer, donc d'analyser tous les contrats qui avaient entraîné l'endettement du pays entre 1976 et 2006. Nous avons travaillé 14 mois et nous avons analysé les dettes de l'Équateur sous la forme des bons. Nous avons analysé les dettes à l'égard du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et d'autres organismes internationaux. Et nous avons analysé les dettes de l'Équateur à l'égard d'autres pays, à l'égard de la France, du Japon, de l'Allemagne. Et enfin, les dettes intérieures publiques de l'Équateur. La pelea por tener acceso a la documentación fue dura, terrible. En el Ministerio de Finanzas, un colaborador nuestro, Alejandro Olmos, hijo, y mi persona, fuimos declarados personas no gratas en el Ministerio de Finanzas y todos los funcionarios del Ministerio de Finanzas hicieron una carta al ministro quejándose y denunciando nuestra posición, tanto de Alejandro Olmos como la mía, que estábamos afectando a los funcionarios del ministerio, ¿no? O sea que nosotros nos reímos de ese hecho, pero para que vea cómo nosotros hemos tenido dificultades serias en este caso y hemos sido acusados de ser los malos de la película, ¿no? En este proceso de auditoría. Παρά τα εμπόδια, η Επιτροπή κατόρθωσε να ολοκληρώσει το έργο της και διαπίστωσε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των χρεών ήταν μη νομιμοποιημένο. Έδωσε τα συμπεράσματά της στο κράτος και το κράτος τα έδωσε στους πολίτες. En fait, ce qui était très important au niveau de la commission d'audit de l'Équateur, c'est que tous nos travaux ont été rendus publics. Donc la population équatorienne a été largement informée de pourquoi la dette qui avait été contractée par le gouvernement
antérieure de l'Équateur, notamment au cours de l'année 2000, était une dette frappée d'illégitimité. Έχοντας τα στοιχεία από την Επιτροπή, η κυβέρνηση απέδειξε ότι το χρέος είναι μη νομιμοποιημένο και ανακοίνωσε παύση πληρωμών για το 70% του ομολογιακού χρέους του εισημερινού. Frente a esa situación, los tenedores de la deuda ecuatoriana comenzaron a sacar sus bonos al mercado a valores muy bajos, del 20% de su valor. ¿Y qué hizo el Ecuador en forma secreta, ¿no? El gobierno ecuatoriano comenzó a comprar, utilizó unos 800 millones de dólares para comprar 3.000 millones de dólares de deuda. Y fue para el caso ecuatoriano una reducción muy importante de la deuda, que permitió obviamente mejorar las condiciones de vida de la gente. Y fue así, dans l'économie faite par l'Équateur, compter les intérêts qu'il aurait fallu payer jusqu'en 2012 ou 2030. Et si on prend tout en compte, c'était une économie de 7000 millions, de plus de 7000 millions de dollars pour l'Équateur. Donc une économie très importante pour le pays, ce qui a permis au gouvernement d'augmenter très fortement les dépenses d'éducation, de santé, pour la création d'emplois aussi, pour l'amélioration des infrastructures. Ecuador is no longer in sale, you know? Hey!